pour échanger avec les étudiants sur la vie professionnelle, spécialement la vie entrepreneuriale. Donc depuis lors, chaque année, cette journée est organisée au profit des apprenants de l'SCCPA, surtout, et nous acceptons également les apprenants des autres campus s'ils arrivaient à faire le déplacement. Je dirais, notre séance de discussion avec les étudiants était un moment de connaissance, vu que moi aussi je suis un produit de l'INA. C'est bien de revenir partager de l'expérience avec, je dirais, mes jeunes frères et leur montrer que nous avons plusieurs opportunités. Et ce n'est pas seulement de travailler dans un projet ou d'être recruté quelque part, mais qu'on a beaucoup d'autres opportunités. Et quitte à chacun selon ses aptitudes de choisir ses opportunités-là, donc c'est ce que je me suis attelé à faire et je pense que les étudiants aussi ont été très réceptifs. Et quelques conseils aussi pour ceux qui éventuellement choisiraient d'aller dans l'entrepreneuriat, quels sont les points d'attention et comment il faut faire pour réussir, parce que c'est pas un long fleuve et tranquille, il y a des difficultés qui vont arriver et comment est-ce qu'il faut aborder ces difficultés. Et voilà un peu ce de quoi nous avons discuté aujourd'hui. C'était superbe, la journée était superbe. Déjà, nous jeunes, en tant que jeunes, nous avons besoin de motivation, des aînés pour nous accompagner dans nos visions, nous dire ce que nous devons faire, comment franchir les obstacles et tout. Donc, avec cette journée et les invités, les différents invités que nous avons eus, nous avons eu réponse à plusieurs de nos questions, genre les questions qui nous préoccupaient, comment entreprendre sans pour autant attendre l'aide de quelqu'un et tout. Donc, on peut toutefois se lancer seul. Bon, pour la séance que nous venons dessus, moi j'ai vraiment aimé parce que ça nous incite, nous les jeunes étudiants que nous sommes, à penser à l'avenir, à être motivés, ambitieux. À être dynamique, en fait, moi j'ai retenu beaucoup de choses. Et une seule chose que je vais dire, c'est qu'il ne faut jamais lâcher prise. Les messieurs, à travers les différentes expériences, nous ont montré qu'il faut définir sa vision et ne jamais lâcher prise. Il faut être ambitieux. Et par la grâce de Dieu, ça va donner.